Si vous voulez payer vos abonnements streaming moins cher ou même les abonnements à certains logiciels, allez voir tout de suite dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir, grâce à GamesGo, bénéficier de 2 à 5% de réduction sur vos abonnements. Sitting at my desk late at night. Screen's my only source of light. Got my Amiga running light. Program until I feel alright. Yeah, yo! I'm typing code, making plans, building worlds with my own hands. Chers Amigaga, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Amiga Kid, votre copain fan d'Amiga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter et à partager cette vidéo d'avance, un grand merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel émulateur, il s'appelle V-Amiga Web, nouvel émulateur, qui fonctionne comme vous le voyez sur iPad, sur iPhone, et fonctionne sur votre ordi également, puisque il n'y a qu'à cliquer et on se retrouve directement dans notre navigateur avec un émulateur prêt à fonctionner. Vous cliquez ici, les petites icônes disparaissent. Vous avez le reset, vous avez pause, vous avez la possibilité de faire des sauvegardes, de faire des captures, d'avoir un clavier virtuel. Plutôt sympa de choisir un bouton action, passer en full screen, avoir l'activité CPU, bitplane, fastram, kickrom, tutti quanti. Et si vous cliquez ici, eh bien vous avez toutes les possibilités au niveau des réglages. Alors c'est plutôt sympa, plutôt bien vu pour ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec un émulateur qu'il faut en général quand même configurer aux petits oignons. Bon, moi je vous avoue que je préférais toujours un WinUAE ou un Denise, mais enfin malgré tout c'est toujours sympa d'avoir plusieurs émulateurs sous la main. Alors je vais vous montrer, il suffit de cliquer ici, de charger une ROM et c'est parti, on peut s'amuser comme des petits fous sur son Amiga virtuel. On va s'essayer à un bon vieux petit Pac-Man. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Tout ce que je ne m'en mêle pas avec les différents boutons. Enfin, vous voyez que ça marche, c'est le principal. Donc, l'avantage ici de cet émulateur, c'est que vous n'avez rien besoin d'installer. Il fonctionne dans votre navigateur web. Ici, je suis avec Brave. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. On va voir maintenant, j'ai lancé un slideshow. On va voir comment l'émulateur réagit. Baisser un tout petit peu le son. Si je suis passé en mode full screen. Et voilà, ça fonctionne tout aussi bien. Petit slideshow de l'ami Jojo 73. Donc encore une fois, l'avantage de ce genre de produit, c'est tout simplement de ne pas dépendre d'un logiciel
mais de l'utiliser, d'utiliser tout simplement, voici l'ami Elvira, d'utiliser tout simplement l'émulateur via votre navigateur web. Voilà chers amis, hein, je ne vais pas la faire trop longue non plus cette vidéo, le principal c'était de vous montrer comment cela fonctionne, je vais encore vous montrer ici le menu. Donc vous voyez qu'il y a moyen quand même de régler également cet émulateur comme vous le désirez. Ici au niveau des CPU, on a du 68000 au 68020. Toute une panel ici au niveau des MHz. Donc vous voyez qu'il y a quand même moyen également de bien le régler, ce petit émulateur. De mettre ou de pas mettre le son du drive. Cinematic widescreen, etc. etc. De passer en mode light ou en dark mode. Donc voilà chers amis, vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. Ici avec une référence à Mazinger Z. Donc voilà. Chers amis, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'est très important, si vous êtes abonné, vous recevrez les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et ces derniers temps quand même, depuis le début de l'année, je poste assez régulièrement. Likez, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à l'algorithme, donc à Amimac TV. Partagez, puis inscrivez également, notez vos pensées, mettez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'être en contact avec vous. N'hésitez pas non plus à passer sur ma page Facebook. Donc ça peut être intéressant également. Vous ajoutez JF Amimag comme ami et on pourra discuter. J'ai également une page Amimac TV sur Facebook, donc pas de souci à ce niveau-là non plus. Et puis je termine cette vidéo en disant que l'année 2025 est une année à part pour Amimag puisque c'est le 30e anniversaire de la création d'Amimag. Évidemment pas d'Amimac TV puisqu'à l'époque il n'y avait pas de YouTube, mais du fanzine, puisque tout a démarré en 1995 à partir du fanzine. Fanzine Amimac que j'ai réalisé pendant 5 ans. C'est de très très beaux souvenirs, entre 1995 et 2000. Et puis, ben, à partir de 2013, il y a eu un fanzine au format PDF qui a duré quelques numéros. Vous pouvez toujours d'ailleurs les télécharger. Je vais les mettre en lien sous les vidéos, dorénavant, pour les retrouver, ce sera plus facile. C'est dispo sur Aminet, en tout cas, vous tapez Amimag et vous allez retrouver un peu tout ça. Et puis, je compte donc faire une vidéo spéciale pour le 30e anniversaire. Ce sera durant l'été, début de l'été, je pense, pour me rappeler, pour commémorer, en fait, ce 30e anniversaire d'Amimag. Je pense que ça peut être sympa. Voilà! Je vais terminer ici cette petite vidéo. Donc, l'émulateur, c'est Amiga Web. Et il est dispo, donc, sur GitHub. Et puis, vous le trouvez très facilement en tapotant Amiga Web dans votre moteur de recherche favori. Portez-vous bien, chers amis Gaga, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures au niveau de l'Amiga et du rétro, du monde du rétro en général. Kojak vous salue bien bas également. Bye, bye. Sitting at my desk late at night, screen's my only source of light. Got my Amiga running right, program until I feel alright. Yeah, yo! I'm typing code, making plans, building worlds with my own hands. And power up sound in my pixel paradise.
doing it right.